Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Gamekult, une émission qui sera notamment consacrée à Need for Speed et Call of Duty, bref que des jeux subtils. Et avant de parler de l'actu, on va peut-être parler de ce qui est arrivé déjà sur Gamekult cette semaine côté contenu avec le numéro 2 de In Dev, l'émission boule à poire, entretien, traducteur. Qu'est-ce que c'est? Traducteur, non, déjà, ce serait traductrice. Pour le coup. Elle n'est même pas traductrice, elle travaille dans la localisation, elle est chef de projet, donc c'est Abigail. Juste pour représenter ce que je n'ai pas fait, InDevWiz. Alors, InDevWiz, c'est une émission dans laquelle on s'intéresse au monde du développement de jeux vidéo, tous ces aspects, à travers des portraits de gens qui travaillent dedans. Le premier, c'était Emeric Thoa de The Game Bakers, donc, qui est directeur créatif du studio. Et là, donc c'est une chef de projet en localisation, donc ça implique de la traduction, mais elle supervise tout ça. Et elle s'appelle Abigail Goudjo, elle travaille chez Ubisoft Paris depuis déjà 2008 ou 2009. Mmh. Et donc là, on a parlé avec elle pendant 1h30 avec notre ami Exerve, qui a remplacé au pied levé Goto's, histoire de varier les plaisirs. Et du coup, elle nous a parlé de son parcours, aussi bien dans la localisation, la traduction, que avant, quand elle était notamment chef de projet tout court, quand elle a bossé aussi aux ressources humaines. Il y a des anecdotes. Il y a pas mal d'anecdotes sympas. Du métier, notamment difficile de localisation dans le jeu vidéo. Tout à fait. Si vous connaissez pas du tout cet aspect du développement, je pense que vous apprendrez quelques trucs. Enfin, du moins, je l'espère. Et donc, c'est une émission qui s'écoute. C'est une émission qui s'écoute. Maintenant, elle peut s'écouter en téléchargement, puisqu'on a mis un petit lien à la fin de l'article sous le paywall. Donc voilà, si vous n'êtes pas premium, vous pouvez toujours pas y accéder. Mais si vous êtes premium, vous pouvez accéder au player. Il y a un player SoundCloud dans lequel vous pouvez télécharger le MP3. Donc si jamais vous voulez pas écouter l'émission en laissant la fenêtre ouverte, vous pouvez tout à fait télécharger le fichier. Voilà. Donc, on n'a pas encore les RSS, les trucs iTunes et tout ça. Cette technologie émergente. Peut-être qu'un jour. Attendons que ça prenne. Et si vraiment ça prend. Si la communauté suit. Si la communauté suit, on fera un jour un forum et des flux RSS corrects. Merci Boulapart, donc un contenu qui est réservé aux abonnés premium, disponible depuis quoi, mercredi, c'est ça? Ouais, mercredi midi. C'est bien noté, merci. On attaque avec le point news juste après le jingle. On commence ce point news par une news Japon, pour ne rien changer. Street Fighter V. Japon baston. Japon baston. Il y a des sous-catégories maintenant dans le point news. Street Fighter V, on avait pu notamment découvrir en version jouable à la Paris-Games Week la semaine dernière. C'est vrai, avec Dalsim. Avec Dalsim. Là, on a appris pas mal de choses, notamment les fameux persos secrets teasé par Ono sur 2016, a priori il aurait déjà été leaké. Bah, en fait, Street Fighter continue de se faire désosser. En fait, avec la bêta PC, il a été relativement facile de mettre les mains dans le cambouis et grosso modo, les fichiers audio ont été détectés et donc la liste des 6 personnages qui devraient émailler 2016 mais qui n'ont pas encore été officiellement annoncés. Juste pour préciser le contexte, attends, avant de... je te coupe. Non, je te coupe. Non, mais moi si, je t'ai coupé en ton élan, mais en gros là, ça veut dire que c'est des personnages qui ne sont pas dans la version de Street Fighter V qui va sortir en février. Et c'est ce qu'il a dit, ça va sortir tout au long de l'année 2016. Donc c'est des persos, mais ils sont gratuits. C'est peut-être important de le préciser. Mais ils sont gratuits ou payants du coup? Et après on dit que c'est moi qui coupe la parole. Alors, donc en fait non, oui, ils seront gratuits, tu pourras les payer avec la fight money. Ah oui, ça... Intégré au jeu, c'est-à-dire que plus tu joueras, plus tu rempliras les défis quotidiens. Si tu joues 4000 heures, t'as un perso. 4000 heures, t'auras un perso. Je pense, mais ça n'a pas été forcément officialisé, qu'il y aura peut-être moyen de gratter de la fight money d'une autre manière, mais en tout cas, donc les 6 persos, puisque tu m'as coupé dans mon élan, seront sans doute Alex, Gail, Ibuki, Balrog, Juri et Urien. On a bien fait d'attendre. Voilà. Ouais, on a bien fait d'attendre. En gros, tu sais, on a vu une image teaser avec 6 persos et un point d'interrogation, et c'est un peu ce qui ressortait déjà des pronostics. Donc voilà, ça étoffera un peu le casting. Je crois qu'il y a 16 personnages au lancement, ça en fera 22 au total. Parmi les fichiers audio, il y avait aussi le son du personnage inédit qui s'appellerait Fan. Et d'après ce qu'il ressort, ce serait un personnage un peu rigolo, masculin. Turc, avec de l'huile. Turc qui se met de l'huile sous les bras. D'accord, personnage rigolo. Inferno. Il sera Inferno, de retour. Il sera donc belge. Ouais. Et également des tournois sur Street Fighter V. Disons que oui, l'Evo 2016, on a les dates, c'est du 15 au 17 juillet. Et c'est même sûr que Capcom va pousser énormément Street Fighter V à cette occasion. C'est là où on verra aussi si la scène compétitive répond présente Et s'il y a un réel intérêt à suivre des matchs de Street Fighter V comme il y en avait pour d'autres jeux de baston et notamment Ultra Street Fighter 4. Donc voilà, rendez-vous. Ils font des tournois sur Smash en plus. La bonne nouvelle aussi, c'est que ouais, bah, Smash c'est un vrai jeu de baston. La vraie bonne nouvelle, c'est que ça tombe pendant les ponts, parce que le 14 juillet, je crois, tombe un jeudi ou un mercredi, je ne sais pas. Donc en gros, ce sera relativement facile de suivre l'événement pour ceux qui ont envie de poser un jour et de suivre ça jusqu'au bout de la nuit, comme tous les ans. D'accord. Ok, bah, très bien. Donc ça, c'était pour Street Fighter 5. Ouais, pourquoi tu suivrais pas d'ailleurs. Hein, on pourrait essayer de faire un truc, hein. En mode juillet, on sera tous crevés après le 3. C'est pas mal, je pense que ça peut être une idée. Exactement. Passons à KOF 14 qui avait été montré, alors je sais plus quand, mais il y a eu un gros mouef. Ouais, Internet avait moueffé. Ah oui, non, c'est moins qu'on puisse dire. En fait, SNK Playmore a maintenu son intention. Déjà, ils vont se retirer du marché du pachinko, enfin plutôt du pachisot, donc les machines à sous qui font énormément de bruit au Japon, pour se recentrer sur les jeux. Et notamment à la fois sur les jeux mobiles et sur les jeux de baston, donc KOF 14 est la parfaite illustration. Donc voilà, on a eu un nouveau jeu mobile, trailer. Ça, du coup, c'est... je note le troll, on a eu un nouveau trailer avec Leona et Chang, donc avec son gros boulet de prisonnier. Ouais. C'est les deux personnages qui ont été annoncés cette semaine, donc voilà, un peu à la manière des autres jeux de baston, je pense qu'on va avoir droit régulièrement à des trailers qui présenteront les personnages plus ou moins inédits, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Mais il faudra quand même les débloquer avec un patchy slot à l'intérieur du jeu, tu voilà. vois. Il faudra aller au pachinko du coin pour, putain, c'est chaud. Pour les débloquer. Mais du coup, hormis l'aspect graphique qui est un petit peu repoussant, est-ce que dans la communauté baston il y a de l'enthousiasme, ou c'est un... Où tout le monde s'en fout en fait de jeu là. Bah, non, c'est un peu. La patte graphique bloque énormément, ouais. Parce qu'il y avait déjà eu une tentative de 3D dans King of Fighters, mais c'était quand même beaucoup plus proche du style visuel. Là, ils ont vraiment tout changé quoi. C'est bah, beaucoup plus proche côté... de la première tentative de jeu 3D en fait. C'est ça le problème, et c'était ouais. sur PS2. Quoi. De Maximum Impact à l'époque. Ouais. Et non, c'est un peu le jeu troll du moment. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde lui chie. Enfin, non, pardon. Ouais. tout le monde le déteste. Ouais, voilà. Je veux dire lui chie à la gueule, mais c'était pas suffisamment poli. Voilà. D'accord. On va penser au. Un rachat gotose, le rachat par Paradox de la licence Vampire. Ouais, et pas que. Oui. C'est probablement une des meilleures nouvelles du jeu de rôle sur PC depuis peut-être 10 ans. Il y a mon point qui apparaît en plein milieu. J'étais tout content. En gros, la licence, les licences White Wolf, donc White Wolf, le publisher de jeux de rôle, appartenait à CCP depuis de nombreuses années, donc CCP développeur de EVE Online, qui avait essayé de faire un MMO World of Darkness, pardon, il y a quelques années maintenant, oui, qui avait interrompu le développement l'an dernier en catastrophe, et Paradox est arrivé et a racheté tout White Wolf. Donc en gros, ça comprend donc Vampire, ça comprend donc Vampire la Mascarade, qu'on connaît pour les deux adaptations, à savoir Vampire la Mascarade et Bloodlines, World of Darkness, également Loup-Garou et Ghost. Pour les licences les plus connues, on va dire. Tout ça donc a été racheté pour un truc comme... Excuse-moi, je te coupe, les images, c'est quoi là du coup ? Ça, c'est Bloodlines. En gros, ça c'est le jeu Vampire dont tout le monde se souvient. Il fait partie avec Deus Ex du fameux théorème, dès qu'on en parle, quelqu'un le réinstalle. Donc développé par Troika Games, c'est le dernier jeu de Troika qui avait fait Arcanum également, juste avant qu'il ne ferme. Et donc en gros, ça donne un schéma assez intéressant, c'est-à-dire que Paradox, qui a donc édité dernièrement d'un côté City Skylines, mais également de l'autre côté Pillars of Eternity, se retrouvent à récupérer la licence Vampire, sachant qu'eux sont en contact direct avec Obsidian, puisque Obsidian a développé Pillars of Eternity. Ce qui est intéressant, c'est qu'Obsidian est composé entre autres d'anciens de Troika. Donc en gros, c'est la licence Vampire qui revient beaucoup plus proche de ceux qui ont fait la meilleure adaptation. Que la liaison soit faite via Paradox. Exactement. Et donc vu qu'en plus Paradox est un éditeur pardon, qui monte beaucoup en ce moment, qui a fait pas mal de blé ces derniers temps, ils n'ont pas eu peur de dire exactement ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc l'idée d'un MMO World of Darkness est de retour, et la licence Vampire est également dans les cartons. Alors on ne sait pas vraiment à qui ça va être confié, mais la licence Vampire, il n'y avait pas de jeu en développement officiellement, il n'y avait rien du tout. Non, il n'y avait plus rien. En gros, CCP, ils l'avaient vraiment mis dans un carton au fin fond du grenier. Mais World of Darkness, de toute façon, ça sentait pas bon depuis le début. Qu'est-ce qui était vendu, c'est les licences ou les développeurs? Il y a des développeurs aussi dans le... En gros, tu avais des mecs qui faisaient l'interface entre le publisher de jeux de rôle papier, parce qu'en gros, CCP avait récupéré tout. Ils n'avaient pas juste récupéré les droits d'édition White Wolf, ils avaient internalisé tout White Wolf. Et en gros là, c'est White Wolf qui repart entièrement avec donc du staff du côté de chez Paradox. Ok, c'est bien noté. On va parler de Kickstarter Gotos. Voilà, avec Battle Tech. Battle Tech, ben, toujours dans l'ancien jeu de rôle, jeu de plateau. Battle Tech, pour ceux qui se souviennent, est comme Shadowrun un vieux jeu de plateau qui a été créé par Jordan Weissman. Jordan Weissman maintenant est chef du studio Airbrain Schemes. C'est les mecs qui ont adapté les Shadowrun dernièrement. Et en fait, ils viennent de revenir sur Kickstarter avec Battle Tech, donc qui est un univers de méca. Et ils ont fait 2,8 millions de dollars. Ils viennent de boucler le Kickstarter, sachant que Airbrain, ils n'en sont pas leur premier Kickstarter. Hein, ils avaient fait 1,8 million avec Shadowrun Returns et 1,2 million avec Shadowrun Hong Kong. Et en fait, là, ils ont... Donc, BattleTech, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la licence... MechWarrior est une extension de BattleTech. Donc, en gros, il y a eu déjà beaucoup de jeux de BattleTech sous le nom MechWarrior, mais pas seulement. Et donc, là, leur projet, c'est un tactical en tour par tour, dans un univers de mecha, avec une campagne solo, assez profonde d'ailleurs, avec beaucoup de trucs autour, du PVP, de la coop. C'est un gros projet, mais c'est pas le premier qui livre, enfin c'est pas leur premier jeu à livrer via le crowdfunding, et c'est prévu pour 2017. Et ça fait bien rêver les gens. Où est Front Mission ? Où est Front Mission ? Où est Front Mission ? Le Front Mission est très loin. Front Mission est très très loin. Je sais pas où est Front Mission. En tout cas, je sais où est Konami Los Angeles, boule à poire, sous terre, oui, puisque il y avait la rumeur déjà d'un studio renommé qui au début c'était Kojima Production Los Angeles, il me semble. C'est devenu Konami Los Angeles, Konami Studio Los Angeles Studio. Ils n'avaient même pas donné un numéro, il me semble, au studio. Il y avait un nom de code à la con, enfin je sais plus. Et là, du coup, ça y est, c'est officiel, c'est fermé. Ah bah là, c'est fini. En fait, il y a eu des premiers échos. Alors pour nous, c'était mardi matin, parce qu'il y a un développeur en fait assez connu, Georges Broussard, qui était de chez 3D Realms, qui a bossé sur Duke Nukem, qui a des amis dans l'industrie, qui a des taupes dans l'industrie, qui lui ont dit bon bah voilà, ça a fermé. Il y a, alors lui, selon lui, il y avait à peu près une trentaine de personnes qui étaient sur le carreau. Entre-temps, Eurogamer a eu une confirmation, et le temps que les RP se réveillent aux États-Unis, bah, le soir même, il y avait une confirmation de la part de Konami qui disait effectivement on a bien fermé le studio, mais on va continuer à bosser sur Metal Gear Solid, on va continuer à bosser sur Metal Gear Online, puisqu'il y a encore la version PC qui doit sortir en janvier, qui normalement sortira en janvier. Donc ça, c'est Metal Gear Online, hein. Vous voyez, il y a Ocelot... vidéo savamment choisie par Uber, comme toujours, son bug de caméra dans tous les sens. Mais le studio Los Angeles avait été ouvert assez récemment, finalement. Il avait été ouvert en 2013 pour bosser sur The Phantom Pain, et plus particulièrement sur Metal Gear Online. D'accord. Donc du coup, là, je pense que... c'est voilà. Uber qui joue, non? Encore? Je pense que c'est Uber, oui. Uber, c'est toi qui joue? Réponds-nous, là. Il se fait... on aurait dit. Il s'est fait fultonner comme un sale. On reconnaît le maître. Et est-ce que disait Konami, c'est qu'ils vont recentrer, ou plutôt concentrer leurs équipes. Donc j'imagine que ceux qui vont garder dans l'équipe de Los Angeles vont repartir au Japon. Si jamais il y a... les chiottes. Voilà, sûrement pour faire l'accueil, ou aller... faire les bruitages pour les petites slots. Aller s'occuper des badges ou des choses comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils continuaient à bosser sur Metal Gear. Alors de quelle façon, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, le retour des vacances d'Hideo Kojima. Voilà. Parce que... qui pour rappel... il est injoignable en ce moment. À la ferme. Il est toujours sous contrat jusqu'en décembre. Donc je pense qu'au mois de décembre, une fois qu'il y aura les PlayStation... au milieu du Pacifique, sur une petite île, il capte très mal. Mais début décembre, on va avoir Guillermo del Toro qui va faire « Oh, finalement, le jeu vidéo, c'est vachement bien !» C'est clair. Je rejoins Konami. Non. Donc voilà. Et donc tu parlais d'un contrat chinois également. Un contrat, pas le contrat, le jeu contrat. Bah, il y a un contrat avec les Chinois pour faire un contrat. D'accord. Voilà, c'est ça, on va le faire comme ça. Donc on contrat une série qu'on connaît en Occident sous le nom de Probotector, Super Probotector aussi, qui est un jeu, un run and gun très difficile. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Je crois que le dernier en date, c'était le Hard Cops qu'ils avaient fait là, par Arc System Works, qui était un spin-off de Contra déjà. Il y avait un très bon Contra sur DS aussi, qui était Contra 4. Et là, ils prévoient d'en refaire un, mais sur mobile, puisque voilà, faut pas trop engager d'argent, et surtout c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Donc ils vont faire un contrat Android iOS, qui est pour l'instant a pas de date de sortie, mais il y aura des microtransactions, ça c'est une certitude. Yeah. C'est une certitude, ça sera un shooter à scrolling horizontal, donc comme celui-là, avec le doigt, visiblement. Et ça sera vraiment très probablement uniquement destiné dans un premier temps au moins au marché chinois, puisque c'est Tencent, qui est une espèce de super géant de la distribution et du contenu numérique, qui a signé avec Konami pour cette adaptation. Donc c'est Famitsu qui sortait l'info, mais pour l'instant on n'a pas de visuel, rien du tout. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un nouveau contrat. Là c'est pas Uber, non, parce que sinon, je pense qu'il serait mort à la troisième vague d'ennemis, voire la deuxième. Plutôt bien. Et du coup, peut-être un petit retour en arrière sur Konami, ils ont annoncé que la licence Metal Gear avait toujours un avenir. Enfin, ils n'ont pas confirmer que c'est ce que j'étais direct. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a rien de... Il y a rien de... Je suis captivé par les images, non, mais je suis désolé. Je vois que tu fais le, voilà, la, enfin, le... la magie, comme les chiens, la tension. Le terrible secret, c'est que je n'écoute pas ce que vous dites, messieurs. Bon, si cette émission était présentée par Oscar Le Maire, on aurait fait l'ouverture avec celle-ci. C'est Activision qui rachète King. Bah c'est mine de rien probablement la grosse surprise. Alors tu te dis, bon, on aurait pu avoir un nouvel épisode du feuilleton Ubisoft Bolloré, mais finalement non, c'est Activision qui s'est dit tiens, je vais racheter King. Donc King, pour rappel, c'est un éditeur de jeux mobile qui est connu pour avoir fait un petit jeu qui s'appelle Candy Crush Saga. Ouais. Rappelez-vous, c'était ces Illuminati qui avaient décidé de déposer à un moment donné le mot Candy. Ils avaient essayé de le faire. Saga aussi. Et le mot Saga également, ils avaient essayé de le faire. Heureusement, des gens un peu intelligents leur avaient dit qu'il fallait arrêter les conneries. Et en gros, bah, c'est une société qui fonctionne très bien, même si forcément les jeux mobiles, on l'avait vu avec, je crois que c'était Zynga, qui voilà, commençait quand même un tout petit peu à être sur la pente descendante. Forcément. Zynga, Rovio, ils ont toujours du mal à suivre aussi. Rovio, c'était vachement restructuré, ils avaient viré des centaines de personnes en préparation du film l'année prochaine. Et King, de son côté, le film Angry Birds, bien sûr. Et King, de son côté, bah, du coup, vient d'être vendu pour près de 6 milliards. $2. 5,9 millions. 5,9 effectivement, exactement, sachant que la moitié a été versée par Activision, le reste a été contracté auprès de banques, donc avec des prêts et tout le bordel, mais 6 milliards de dollars. Enfin là, j'aimerais bien qu'il y ait le mec de Konami qui soit là pour le dire, parce que quand même, 6 milliards, quoi. C'est vraiment extreme. C'est une somme qui est complètement hérissante, parce que rappelez-vous, l'achat déjà de Minecraft à 2 milliards, ça avait déjà mis tout le monde sur le cul. 6 milliards pour une société qui fait des jeux mobiles qui sont probablement dans une bulle que tout le monde voit éclater d'ici peu. Ça fait un bout quand même. Bah, surtout. Bah, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vachement, c'est tellement fragile comme marché, ça peut s'écraser du jour au lendemain. Il y a quoi à part Candy Crush? Bah, ils ont Farmville Saga, Machin Saga, Trucmuche Saga, Martine Saga, tout ce que tu veux Saga. Et non pas Romancing Saga, parce que je me veux venir. Non, mais ils ont King, ils ont principalement des jeux sur mobile soda, en fait. Oui, voilà, Fizz. Candy Crush Fizz, je sais quoi. Ouais. Non, mais ils achètent la visibilité sur les stores, le savoir-faire et tout. Enfin, de toute façon, ils ont touché plein d'argent avec Vivendi. En fait, quand Vivendi a refilé les parts à Acti, les a forcés à revendre là. Et du coup, effectivement, en fait, bah, King, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont effectivement ce côté pognon tous les jours grâce aux microtransactions qu'il y a dans les jeux Candy Crush, etc. Ils ont du coup une base de données de clients et de cartes bleues qui est juste ahurissante. Enfin, je sais pas, ça doit être à peu près la population de l'Europe complète. Tu vois, si on devait les regrouper tous au même endroit, donc forcément, c'est quand même des choses qui valent énormément d'argent. Mais 6 milliards, ça paraît. Moi, je trouve que ça paraît quand même un peu démesuré. Et tu crois une intégration dans le modèle traditionnel Activision, j'entends par exemple comme l'avait fait EA avec un TPS avec Plants vs Zombies par exemple. Ils avaient acheté c'était Play je sais plus quoi là. PopCap, voilà ça. Ah oui, ils avaient acheté Playdom aussi avant, mais PopCap, ils avaient acheté. Et donc, ils ont récupéré Plants vs Zombies. Ils ont fait l'exploitation donc sur les mobiles, comme d'habitude, et un TPS. Bah, est-ce qu'ils vont le faire? C'est Activision. On peut quand même on va pas trop leur laisser le bénéfice du doute à ce niveau-là, à mon avis. Ils vont sûrement. Mais bon, de toute façon, les jeux Acti existent déjà sur mobile. Je pense qu'ils veulent surtout se permettre d'avoir une assise encore plus impressionnante, à la fois sur le marché du jeu classique, où c'est quand même les leaders, et également sur le marché mobile, puisque là, du coup, ils deviennent de facto le leader. Ils ont fait à part Hearthstone avec Blizzard, le reste c'est mineur, c'est surtout des compagnonnables, tu vois, les compagnonnables Call of, etc. Et je pense qu'ils ont vraiment envie d'imposer toute leur puissance force. Et du coup là, ils ont, comme le disait Stoon, à la fois les compétences, le staff, ils ont une base de clients où ils peuvent arriver. Et vous jouez à Candy Crush, pourquoi vous n'essayez pas Call of Duty? Enfin, tu sais, c'est une mailing list de 160 millions de mails. Bon, ça va, ça cause quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est effectivement c'est quand même un gros raz-de-marée au niveau Indus. Je comprends qu'Oscar soit tout émoustillé. Pour 6 milliards, là, Oscar, l'anecdote, Oscar en fait, il est en horaire décalé, ce con, et du coup à 14h, il m'a envoyé un message genre pourquoi tu m'as pas prévenu? Il est en colère. Il a vu la news, il a fait 6 heures de coma, il s'est réveillé, il a revu la news, il a refait 6 heures de coma. Il va la découvrir en 2 heures. Genre. Bref, Oscar, on t'embrasse. Et on termine par deux news Stoon, des jeux typiquement PC, Black Ops 3 et Batman. Et oui. On continue chez Acti avec Black Ops. Donc les développeurs Treyarch et Activision qui ont annoncé que les mods, donc Black Ops 3 supportera les mods sur PC, n'arriveront qu'en 2016. Donc il faudra patienter sans décliner ce qui sera possible de faire au niveau modding, parce qu'on faut pas se leurrer, vu qu'ils vont vendre des DLC derrière. Et la priori de ce que j'ai vu dans les menus du jeu, il y a 2-3 petits trucs, 2-3 petites skins ou des petits trucs qui pourraient être dans le store, donc à mon avis, il y aura du modding, mais... Je suis pas familier de la licence Call of sur PC, il y a du modding, ça fait longtemps qu'il y en a ou je crois que le dernier épisode qui supportait le modding, c'était Code 4, tu vois, enfin Modern Warfare, le premier Modern Warfare. Ah oui, donc ça fait un moment que ça fait arrêter. En revanche, on est hyper habitué à s'entendre promettre le modding et ensuite il est annulé 2 ans après. Hein. Ouais, voilà. D'accord, ok. Bah là, ça dépend, parce que s'ils mettent justement un peu un système à la, on va dire, à la Dota ou à la Steam Workshop, où tu fabriques des skins d'armes que tu revends, et oui, donc, ah oui, bien sûr. Et le contenu généré par les utilisateurs, enfin, Valve l'a montré, c'est le nouvel Eldorado. Hein. Il a tout pour Des mecs qui travaillent pour toi et tu leur ils te font gagner de l'argent. Il a copié le modèle CS, toutes les petites skins. Donc du coup, voilà, ça arrive en 2016. Donc du coup, ouais, en 2016, et il y aura une alpha fermée en mars 2016, puis une bêta ouverte. Pour le modding? Oui. Ah d'accord. Ah, on peut peut-être imaginer qu'il y aura des maps alors. Ah oui, non, mais moi, les développeurs m'avaient dit, voilà, on veut qu'il y ait des maps, des modes de jeu, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, entre ce que les développeurs veulent et ce que Active valide, tu vois, c'est deux écoles. Nous aussi, on en veut. Bobby, c'est un mec sympa. Bobby fait... Là, il est un peu plus léger. Il est un peu plus léger depuis quelques jours. Ça coûte combien ta merde? Donc bref, 2016 pour les modes sur PC, et enfin Batman Arkham Knight, le retour. Qui n'en finit pas de, de faire tournoyer sa cape. Résume-nous juste le sujet Arkham Knight PC déjà. Wow, c'est large. Bah, le jeu il est sorti, il a été pété, il a été retiré. Il est revenu. Il est revenu avec un patch pour ceux qui l'avaient, mais ça changeait pas grand chose. Là il est revenu vraiment, il est tout, tu peux l'acheter encore sur PC, mais il marche toujours pas comme il faut. Et donc du coup Warner a sorti le chéquier et dit voilà, on le rembourse sans aucune condition. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Steam tu peux te faire rembourser un jeu si tu as joué moins de 2 heures et dans les 2 semaines qui suivent l'achat. Mais là ils ont dit sans condition jusqu'à la fin de l'année, voilà, jusqu'à fin 2015. Bah, vu qu'il y avait des bugs qui pouvaient piéger 2 heures dans le jeu rien que pour pouvoir en sortir. Voilà, ça. Donc voilà, ils remboursent tout en sachant que nous on a un occulteur qui nous a envoyé un email pour nous dire, parce qu'il était un petit peu énervé et on le comprend. Parce que lui il a tous les jeux en fait, parce qu'ils ont proposé aussi des dédommagements donc en filant les vieux Arkham, etc. Sauf qu'il nous explique que lui, il avait déjà tout. En fait, tous les jeux, tout ce qu'il propose, il avait déjà tous les trucs, même les Mortal Kombat, etc. Enfin, tu vois, tous les trucs. Comment ce culteur il s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà. Donc Jean-Michel, on t'écoute. Et donc voilà, il nous explique qu'il a déjà tout. Donc il a demandé à avoir un dédommagement autre au support. Et après 45 minutes au téléphone, ils lui ont proposé un DLC. Un DLC d'Arkham Knight, voilà. Ah bah donc bravo, il a un peu... Un DLC sur un jeu qui ne marche pas. Voilà. 45 minutes de téléphone, on peut dire que Jean-Michel est déter. Ouais. Oh ouais, c'est pas mal. Et donc voilà, donc là, jusqu'à la fin de l'année, si vous avez acheté Arkham Knight sur PC... En fait, vous pouvez l'acheter demain, vous le faites, vous le finissez, vous le retournez, puis vous faites rembourser après. D'accord, ok, donc voilà, vous pouvez jouer gratos. Voilà, free to play sympa. Et attendez, non, c'est encore mieux que ça. Free to play sympa. Et si jamais ça vous plaît, vous avez le DLC gratuit après 45 minutes au téléphone. Les bons plans Gamekult, ça y est, on est voilà, c'est bon. Donc, voilà, faites des économies grâce à GK. Attaquant le guide. Voilà. Batman gratuit avec son DLC. Bref. Mais cela dit, ils le font tout en sachant très bien qu'il va y avoir des gens qui vont le faire, parce que forcément, il va y avoir pas mal de monde qui va le faire, mais ça sera un pourcentage restreint, mais ça va leur permettre de gonfler les chiffres de vente malgré tout. Ah bah oui. Parce qu'ils vont jamais communiquer sur le nombre de remboursements. Par contre, ils vont communiquer sur le nombre de gens qui vont l'acheter jusqu'à la fin de l'année. Donc ils remboursent ceux qui l'ont acheté avant qu'ils fassent l'annonce. Tout le monde. Tout le monde. Du moment que tu as le jeu dans ta... Même aujourd'hui, tu l'achètes la semaine prochaine. Ouais, c'est jusqu'à la fin de l'année en fait. Jusqu'aux achats. Mais bien sûr. Non mais ils veulent juste gonfler artificiellement les chiffres. Tant pis, en se disant de toute façon c'est de l'argent perdu. Donc, on a vendu 25 millions de Batman et pourrait... Non mais... On peut aussi voir le bon côté des choses, genre le verre à moitié plein, désolé, ils se sont juste rendus compte qu'ils s'étaient vraiment chiés dessus, et après avoir essayé de sauver les meubles, ils avouent enfin que de toute façon voilà, bah, c'est foutu, donc il n'y a plus rien à faire. Bah, donc là c'est 5 mois à sauver les meubles, tu commences à fatiguer. Ouais, donc je pense que là ils lâchent l'affaire, ils disent ok on s'est chié dessus, bah jouez-y, et bah si c'est des soucis... Tu poses ça là, voilà, prenez-le. J'ajoute aussi, le Season Pass est remboursable. Voilà, d'accord, oublié, mais ceux qui ont aussi acheté le Season Pass peuvent se le faire. Donc vous pouvez faire le jeu... Est-ce qu'ils remboursent le PC sur lequel tourne le jeu aussi? La carte graphique est... Il y a un mois de moyen offert si jamais... Les mecs qui sont sortis des studios, ils ont laissé la porte ouverte, ils ont laissé les lumières allumées, ils ont mis... le studio est sur le bon cours en fait, ils ont tout mis à vendre. Bref, bon bah c'est une fin d'affaire un petit peu triste, mais au moins bon, ça permettra à ceux c'était la moindre des choses. Enfin, ouais, voilà, non mais c'est sûr. Au moins, c'est pour ça que je suis plutôt indulgent, c'est-à-dire qu'ils sont chez sur toute la ligne, là à la fin ils... Oui, non mais qui remboursent c'est logique, mais du coup qui permettent aux gens de l'acheter. S'ils avaient mis des conditions un peu sales, genre voilà, jusque fin novembre, tous ceux qui vont l'acheter à Noël on se fera voir, enfin ça aurait été un peu... C'est Rocksteady qui s'occupait des portages ou c'était une autre... C'était un autre... Iron Galaxy. Ouais, mais au final Rocksteady était repassé derrière en disant... Moi je vous écoute pas, lui il écoute pas Quick Load, voilà. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le début de l'histoire, Quick Load numéro 1, voilà. Ouais, ça, ça y est. Donc Quick Load, l'émission audio, PC, tout ça, pour tout le monde, voilà. Merci messieurs pour ce point de news exceptionnellement court. Je crois qu'on a fait 42 minutes. On va donc attaquer avec le tour des manettes juste après ce jingle. On attaque ce tour des manettes, vous connaissez la règle, chaque rédacteur va vous parler du jeu auquel il a joué cette semaine avec Exerve. À quoi tu as joué? Cette semaine, c'est un peu galvaudé, je pense qu'on pourrait dire l'heure et demie avant le tournage de l'émission. C'est vrai. Parce que du coup, j'ai essayé Dragonfin Soup, qui est le jeu surprise qui est sorti sur le PlayStation Plus. Alors pour le coup, j'y ai joué donc dans sa version PS Plus, là c'est la toute introduction, parce que forcément, j'y ai pas joué suffisamment longtemps pour pouvoir vous en parler plus. En fait, c'est un jeu qui reprend, on va dire, un petit peu de loin le principe d'un Road Not Taken ou d'un Crypt of the Necrodancer. On se déplace, chaque fois que tu fais un déplacement ou une action, ça compte un tour, c'est écrit en haut à gauche, tu vois le nombre de tours qui défilent, et tu joues une petite Robin qui est une chasseuse de primes alcooliques. Tu te soignes en te bourrant la gueule, donc c'est un humour assez bizarre, c'est fait par deux indés qui s'appellent les Grimm Brothers, enfin les Grimm Bros. Et le principe de gérer comme ça le côté un peu tactique où tu peux faire passer des tours, te déplacer, etc. Bah, ça a l'air assez intéressant. Il y a toute une mécanique de roguelike où en fait tu vas pouvoir conserver des éléments d'une partie à l'autre. Chaque fois que tu vas recréer un monde, si tu changes le nom du monde, ça va créer un univers complètement différent de manière procédurale. Sachant que les noms des mondes sont rigolos parce que au lieu d'avoir choisi un peu à la Minecraft des seeds avec des chiffres, là c'est des noms. Donc il y a des niveaux genre Give Me More, des niveaux One More Time, des niveaux Oulala, des niveaux comme ça. Et ça te permet de recréer des trucs. De ce que j'en ai vu pour l'instant, effectivement, les dialogues sont assez rigolos. L'interface est dégueulasse. La gestion des menus et de l'équipement est assez horrible. Mais, encore une fois, après la jurisprudence de Witcher, j'ai pas le droit de le dire, mais... mais en gros, c'est vraiment pas foufou et ça donne pas envie d'aller plus loin pour l'instant au niveau de cette histoire d'interface. Mais je vais quand même un petit peu pousser parce que ce côté tactique comme ça peut être intéressant. Et si jamais on montre la deuxième vidéo, on verra que j'utilise également d'autres armes. Puisque... non, bah alors... Si, ça veut dire TG. Non, ça veut dire Hubert change la vidéo, je sais comment ça marche. Donc, deuxième vidéo, voilà. Et donc là, en fait, c'est le vrai jeu, on commence, on a un petit loup. Et j'ai également un petit fusil à pompe, et donc en fait, ce qui va couvrir plusieurs surfaces. Ce qui est assez marrant, c'est que là, si je détruis des objets du décor en combattant, parce que je dois combattre contre des zombies, le village me met une amende, et j'ai de l'argent en négatif, et je leur dois du pognon. Donc là, j'ai commencé ma partie, j'ai déjà 500 pièces d'or en moins, parce qu'au début, je me suis dit, ah, c'est cool, il y a des coffres partout, comme un gros joueur habituel. Je me suis dit, tiens, je vais taper dans les coffres et récupérer les trucs dans les pots. Et du coup, je crois que je vais recommencer pour essayer de voir un petit peu plus à quoi ça ressemble. Voilà. Et c'est disponible donc... c'est sur le PlayStation Plus, c'est disponible sur PC, donc il est offert en fait ce mois-ci sur le PS Plus. Et du coup, bah, comme il est offert, je sais pas combien il est. il est gratuit. Ouais. Il est à 15 balles. Ouais, non, mais ça doit être un truc comme ça. On vérifiera. En mettant en bas. Merci Exerve, on attaque avec Pouillot. Alors je suis obligé de tricher parce que je joue à un jeu qui met tous ces tricheurs là, qui met en scène une Indiana Jones au féminin. Mais malheureusement on n'a pas le droit d'en parler encore aujourd'hui. D'accord. Donc Beyond Good and Evil. Voilà, Beyond Good and Evil. Voilà. Le 2. Voilà. L'Early Access. Et en fait, je triche, je vais prêcher pour la paroisse. Et pour le GK Live qu'on a fait sur le Retro Freak, avec mon gars Boulap. Donc le Retro Freak, c'est un boîtier qui permet de... voilà, on voit les images. De l'unboxing. De l'unboxing sur GameCube. Qu'est-ce qui se passe? La carte de prêt, je vais la brûler. Non mais voilà, un petit boîtier très cher, même beaucoup trop cher en fait. Il vaut permet de te léser de 200 €. Voilà, 200 € chez Trader, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Mais néanmoins, moi, ça me convient bien, puisqu'il y a le côté plug and play où je peux mettre... différents formats de cartouches, donc ça va de la Mega Drive à la Famicom à la Super Nintendo en passant par la PC Engine, et du coup bah, ça me permet d'avoir un affichage HDMI très... avance dans la vidéo sans galérer, voilà, on voit les petits câbles. C'est génial, compatible USB. Non mais voilà, disons que... C'est une console pour l'instant uniquement disponible en import, ouais. légal pas vraiment, légal, qui peut lire un petit peu les ROM que tu installes voilà, sur la micro SD, qui va dumper les cartouches que tu vas insérer dans les trois ports un peu aux broches un petit peu exigeantes. Ça permet aux amateurs de rétro de ne pas avoir 50 consoles à stocker. Oui, après il y a d'autres boîtiers de ce genre qui existent, mais celui-là est plutôt bien fait, un peu trop cher évidemment, mais... Voilà, c'est quand même pratique d'avoir un affichage HDMI et des réglages émulateurs. Voilà, il fonctionne bien. C'est pas toujours le cas de ces boîtiers-là. Il reconnaît énormément de types de manettes avec son adaptateur contrôleur. Je gratouillais le ventilo. Pierre Bellemare, là. Les manettes de l'époque. La console magique. Donc les manettes Super Nintendo, pour celles qui restent encore fonctionnelles, sont reconnues. Les manettes DualShock 3 et 4 sont prises aussi en considération dès que tu branches en USB. Donc c'est un peu cher, mais je suis pas mécontent quand même de l'avoir acheté. Nous, du coup, on pourra utiliser ça pour les streamer, quoi, tout simplement. Voilà, ça rendra plus facile toute la perspective de GK Live Retro. Disons, ce cadrage extraordinaire. Mais c'est le moment où il a failli tomber, Bernard. Ah oui. Tu te rappelles à un moment où il a failli se casser la gueule. Donc voilà, pour ceux des curieux, on vous invite à regarder le GK Live au long cours. Il y a des bonnes blagues dedans. D'accord, ok, c'est noté. Boulapoire, à quoi tu veux jouer à part la rétro freak? Alors écoute, moi j'ai joué comme la semaine dernière à Chibi-Robo, puisque là, normalement au moment où l'émission devrait être en ligne, vous aurez le test sur Gamekult. Mais j'ai joué à un prototype qui s'appelle Varuna. Donc c'est un jeu qui est inspiré pas mal par Transbot, Thunder Force 3 aussi un petit peu, et Gradius évidemment. Donc c'est un jeu qui a été développé par un des créateurs de Finding Teddy, qui s'appelle Julien Roca, si je ne m'abuse, et qui a donc fait ça pour se marrer en fait. Il a fait une petite démo sur son temps libre. Et donc c'est un shooter à scrolling horizontal, très très dur. Puisque en fait votre robot peut se déplacer vraiment partout, mais par contre il peut viser aussi dans 8 directions différentes. Et il faut laisser appuyer sur le bouton pour fixer la visée en fait. Donc, tu disais que c'était un proto? Ouais, ça c'est un proto. J'entends de la musique et tout, c'est assez... Ah non, mais le truc est vraiment très bien fait, c'est un seul niveau, là, tu fais toucher une fois, tu meurs. Ouais. Et du coup là vous allez voir la version alternative, puisque dans les options tu peux passer en mode avec les scanlines et tout ça. Tu as une belle souris à l'écran en plus, j'avais oublié de dégager le pointeur de la souris. Et donc c'est disponible sur Itch.io, donc la boutique en ligne alternative, on va dire, qui font beaucoup de trucs comme ça, de trucs de game jam, de petits protos. Et donc j'en ai parlé un petit peu avec les développeurs, et là il y a Stoon qui est en train de mourir. Il est en train de mourir pendant que je parle d'un jeu vidéo. On va appeler le SAMU directement. Vous pouvez le récupérer gratuitement, et j'en ai parlé avec le développeur, il m'a dit peut-être qu'ils développeront un peu plus le jeu plus tard, mais pour l'instant c'est vraiment pour le fun. Il faudrait vraiment qu'ils trouvent du financement pour le faire. Là pour l'instant ils sont concentrés sur la version améliorée de Finding Teddy 2, puisqu'il y a eu pas mal de soucis au lancement, ils n'étaient pas tout à fait contents de ce qui avait été fait pour la sortie. Donc là, ils sont en train de rebosser sur une nouvelle... Le timer au-dessus, enfin, c'est juste tes munitions le... Alors en fait, c'est le truc de combo. C'est-à-dire que le bleu, c'est le temps qui te reste avant de retoucher un autre pour continuer à maintenir le combo. Ah, okay. Et le rouge, c'est le nombre de chain que tu as pu faire. C'est plutôt pas mal, hein, franchement. Du coup, c'est sous la pression encore plus. Ouais. Mais c'est ultra dur parce que vraiment, une touche, c'est super dur. T'as un mode beginner où t'as 2 vies. Enfin, tu peux te faire toucher 2 fois. Mais si tu touches les... Ah, ils sont sympas. Si tu touches les murs, tu crèves directement. Il y a un passage avec un couloir où tu dois passer en diagonale qui est bien chaudard. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé plus loin. Mais en tout cas, essayez-le, c'est vraiment intéressant. Donc, rappelle-moi le nom du jeu. Varuna. V-A-R-U-N-A. Sur Itch.io. Sur Itch.io. Ouais. C'est bien noté, merci. Stoon, avant que tu te mouches dans ton sweatshirt Rainbow Six, à quoi tu as joué cette semaine? J'ai joué à Call of. Voilà. Ouais. On en parle après. Donc, voilà, donc non, j'ai joué à Guild Wars 2 encore une fois. Je suis toujours sur l'extension. C'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de trucs à faire. Je suis assez impressionné par le boulot qui a été fait sur le level design, notamment sur l'élévation. Enfin, il y a vraiment des zones qui sont ultra hautes. J'ai vu ça. Sur plein de niveaux, voilà, ça, avec l'ajout du deltaplane et plein de capacités qui permettent de se déplacer, mais je sais pas, enfin, je peux pas en dire beaucoup plus parce que je suis toujours dessus à pousser et à grinder des levels. Garde ta série parce qu'on fait l'émission. On va te cuisiner sur Call of Duty. Et Gotos, pour terminer, je triche aussi, parce que bon, je suis sur un... Mais c'est la fin d'année, voilà, mais je suis sur un jeu qui me prend un petit peu tout mon temps, mais j'ai pris le temps quand même hier soir de relancer, le bon prétexte, de relancer Elemental pour les niveaux bonus, les niveaux challenge d'Elemental. Alors Elemental, pour ceux qui se souviennent, c'est un platformer de type type acrobatique où en fait tu ne contrôles pas ton personnage mais tu contrôles son état physique entre glace, pierre, air et feu. T'en avais parlé où dans l'émission? J'en avais fait un GK Live il y a très longtemps avec Trunks à l'époque et du coup en fait il y a eu donc des niveaux bonus il y a près d'un an maintenant que j'avais pas encore tous fait et que là je suis en train de me faire qui sont vraiment orientés challenge et speedrun. Là on voit donc la version, là c'est vraiment l'introduction du concept et c'est vraiment un chouette jeu qui a, certes une très chouette musique mais dont les mécaniques en fait peuvent en permettre une visite assez paisible on va dire, passer un ou deux endroits un peu chauds. Mais si tu veux commencer à vraiment jouer la technique, donc entre les moments où tu passes en glace dans du feu, donc tu fonds et ensuite tu te rematérialises en air en ayant pris de la vitesse pour prendre de l'altitude, etc. Ça se contrôle avec les flèches du clavier, chaque flèche gérant un état physique. Et c'est vraiment un jeu que je recommande à tout le monde qui doit coûter dans les 8 €, un truc comme ça. Tu me l'as vendu. C'est marrant parce que il y a certaines mécaniques qui ressemblent à Tiny Wings, un petit peu sur le côté on va faire de la glisse. Oui, effectivement, beaucoup d'utilisation de la physique et du relief, ouais. Et puis, mais il y a des passages où je suis mort. Là, on voit un petit peu les moments où ça s'énerve un petit peu. Il y a des moments où je suis mort, je sais pas, 100, 150 fois au même endroit avant de comprendre comment ça fonctionnait. Et il y a des speedruns sur YouTube qui sont assez bluffants également. Voilà. Donc ça s'appelle Elemental avec un 4 à la place du A parce que c'est trop in et trop lit, tu comprends. D'accord, et c'est disponible, tu disais, pour disponible sur Steam. Sur Steam, ok. Je crois pour PC et Mac, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour PC c'est sûr. Ok, c'est bien noté, merci Gotos, merci à tous. On enchaîne avec le premier gros jeu de cette semaine, en tout cas le premier gros focus de cette semaine, c'est Need for Speed, puisqu'il a eu 4, donc c'est pas un gros jeu. Et on voit ça juste après, c'est quelques images de gameplay. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. We're going to have a party. Yeah! Alors, NFS Need for Speed, c'est le nom de ce jeu, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un reboot? Bah, c'est ce qu'ils auraient voulu faire, parce que de toute façon, c'est une série qui a quand même pas mal d'années. Je crois que c'est le 17e épisode canonique, parce qu'il y a eu quelques spin-offs, genre Need for Speed World, et on n'en parlera pas, parce que sinon, ça sera même plus 4, on va commencer à aller encore plus bas. Et là, du coup, ils se sont dit, c'était une série qui sortait historiquement tous les ans, entre soit Criterion, qui a été en partie démantelé pour reforger le studio Ghost, qui était déjà en charge de Rivals, qui était sorti en 2013, à la sortie de la PlayStation 4 et de la Xbox One, qui était quand même une belle vitrine technologique, parce que graphiquement, le jeu envoyait du pâté. En termes de sensations, c'était pas mal. Ça reprenait plus le côté flic et voyou, qui est une des grandes, on va dire, un des grands classiques de Need for Speed. Et ce Need for Speed là, après 2 ans, revient en fait plutôt à l'époque de Underground et d'Underground 2. Donc ça se passe uniquement la nuit. Et ça reprend non pas l'histoire de Fast and Furious, mais l'histoire d'un sous-prototype d'une série qui ne serait jamais sortie sur AB Productions. D'un mauvais. Parce que c'est... ouais, mais même... Ouais, voilà, c'est-à-dire que Fast and Furious, ça aurait été drôle, tu vois, s'ils avaient fait une histoire un peu à la Fast and Furious où t'étais encore une fois infiltré, comme dans Need for Speed The Run, Need for Speed Most Wanted, Need for Speed... Enfin, tous les Need for Speed qui étaient sortis jusqu'à présent. D'accord. Et là, en fait, si je parle autant de l'histoire, c'est parce qu'on te l'a fait bouffer du début à la fin de l'aventure en permanence, parce que régulièrement, t'es obligé d'aller voir un des 5 PNJ qui t'attend au Burger King du coin, ou dans son garage, ou dans son appartement, et qui te raconte rien. Et qui te dit juste après, viens, on est riche, on est jeune, on n'a rien à foutre, on va mourir demain, alors pourquoi pas aller en voiture. Need for Speed YOLO. Need for Speed YOLO, c'est Need for Speed YOLO, sans déconner. C'est vraiment, voilà, c'est une bande de jeunes qui ont de l'argent, qui sont désœuvrés, qui n'ont rien à foutre de leur vie, alors du coup, bah, ils passent la nuit à conduire et à boire des monsters. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça quoi. Et bon voilà, ça c'est la partie histoire, et vous aurez raison de dire mais on n'a rien à foutre de l'histoire, c'est un jeu de caisse, c'est vrai. Et la partie jeu de caisse est naze. Et, en gros la bêta, moi Pouillot le sait, j'en avais dit vraiment du bien parce que la bêta fermée était vachement encourageante, il y avait un vrai challenge, c'était enfin un jeu de voiture grand public où on ne terminait pas les courses premiers systématiquement, même en se sortant un peu les doigts, fallait vraiment aller vraiment comprendre comment fonctionnait le pilotage de chaque bagnole pour essayer d'avancer. Et bah du coup oui, voilà la preuve, ah oui, ce qui n'est pas le cas évidemment dans cette vidéo-là, je sais plus. Je sais plus ce que je faisais, j'étais bourré. Il faisait un gif, ouais. Sur ce Twitter. Ouais. Et du coup, là, cette version-là a changé par rapport à la bêta. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ghost avait communiqué après la bêta fermée en expliquant qu'ils allaient revoir la difficulté à la baisse. Parce que justement les joueurs avaient trouvé trop dur, alors je ne sais pas quel joueur, mais franchement vous avez fait n'importe quoi à leur dire ça, parce que du coup le mec s'est endormi sur le curseur et il est allé complètement à l'opposé. Et le jeu maintenant ne propose aucun challenge, c'est-à-dire que les policiers, on n'a jamais vu des flics aussi lents, c'est-à-dire qu'ils dépassent pas le 200 km/h, la moindre de tes bagnoles, dès que tu as investi 10 000 dollars dedans, elle est à 280 à fond de troisième. Donc du coup, tu es obligé d'attendre les flics pour la plupart des missions de poursuite, parce que si tu les attends pas, tu vas trop loin et du coup tu les perds. Donc t'es obligé de les attendre la plupart du temps. C'est extrêmement gênant parce qu'en plus les missions sont pas liées à genre détruire des véhicules ou esquive les flics. Non, c'est reste dans une poursuite avec les flics pendant 5 minutes. 5 minutes à attendre des flics au ralenti et à tourner en rond. C'est de ta faute. Non, c'est de la faute du jeu. D'accord, mais tu vas faire exprès comme de... Ah oui, oui, bah c'est ça. Pénalisé. Si tu les largues, ça... Ah bah si tu les largues, t'es pénalisé, parce que ta mission, c'est de les tenir 5 minutes au cul. Sauf qu'ils ne peuvent pas te poursuivre 5 minutes, ils sont trop mauvais. Ils sont pas agressifs, ils ne t'arrêtent pas, ils n'essayent pas de te pousser dans le décor, ou très rarement, des fois, ils se trompent, ils te rentrent dans le lard, mais étant donné que les dégâts n'impactent pas ni ta vitesse, ni ta conduite, et que la voiture, elle peut se prendre des murs, des machins, elle rebondit, elle repart aussitôt, c'est devenu un jeu extrêmement simple, et c'est vraiment dommage, parce que du coup, il y avait, pour le reste, un bon cadre, graphiquement, c'est une... tuerie, sauf ça, sauf ces parties-là. On se 8ème brofiste depuis le début de l'émission là, parce que la douchebag édition là, putain. Et du coup dans la démo, en fait, tu voyais que on va dire les quelques premières heures de l'histoire, et tu te disais bon, à un moment donné ça va briller, tu vas apprendre qu'en fait c'est des trafiquants de drogue et toi t'es un flic infiltré. Non non. C'est vraiment juste une bande de jeunes qui n'ont rien à foutre de leur vie. Et du coup l'histoire est tellement débile que tu te retrouves à eux, ça se passe dans une seule nuit. Ouais. Ils sont toujours habillés pareil et ils te filent chacun, les 5 PNJ, des missions différentes avec des quêtes différentes. Et à la fin, ils font tous la teuf, mais chacun de leur côté, mais ils sont tous présents à chacune des fêtes. C'est-à-dire que les cinématiques de fin, c'est tout le monde est à la teuf des autres, et ils font juste la teuf et ils boivent du Monster. Et ils sont là, putain, on a gagné! Voilà, et c'est la fin. Oh, le spoil! Ah, bah, j'en ai rien à foutre. Alors là, sincèrement, je m'en fous parce que c'est vraiment. Malade, on boit du Monster. Tu te dis, ils ont mis un pognon fou dans l'intégration de ces acteurs dans le décor du jeu et le mix du décor du jeu qui est intégré, parce que du coup, au tout départ, t'as Travis, le mec avec sa casquette rouge, qui te dit, hey, je te montre ta bagnole. Et là, d'un coup, putain, t'es bluffé, t'as ta bagnole qui apparaît dans l'univers du jeu. Et Pouillot l'a vu, ça rend quand même vraiment bien. Ils ont. Voilà. Dormait à côté de moi pour le décalage, mon pauvre. Je faisais des blagues. Et non mais vraiment, bon ça, moi ça m'a énervé parce que là, tu te fais prendre pour un con si t'as plus de 12 ans, vraiment l'histoire, tu te dis mais t'as envie de te saigner parce que t'as le fameux téléphone portable qui te réveille toutes les 2 minutes en disant et mec. Bah en fait, ton seul lien avec les PNJ, c'est un téléphone portable où t'as Amy, Robin ou les autres cons là qui t'appellent en te disant et mec, viens faire une course, c'est la nuit, on s'en fout, viens faire une course sur les montagnes, il y a tel mec qui fait du drift. Et ils te disent, il y a trop de monde, c'est génial. Et étant donné que le jeu est très joli, bah en fait, pour qu'il soit très joli, ils peuvent afficher personne. Donc ils te disent, il y a trop de monde, et tu fais une course de drift à 3. Ouais. C'est ridicule, tu vois, mais ils ont même pas, tu vois, t'as même pas l'ambiance d'un Fast and Furious, tu vas voir les nanas en mini short qui jettent un petit foulard pour dire que la bagnole pas. Non, non, tu te retrouves en plein milieu de la course avec un départ lancé et tu vois les adversaires qui pop, qui apparaissent à l'écran et hop, c'est tes adversaires. Donc tu te dis qu'il y a vraiment une esbrouffe technologique. Ils ont essayé de faire une sorte de jeu un peu global où vraiment ils intègrent et l'histoire et le jeu. Et en fait, ils se sont complètement. Ils n'y arrivent pas en fait. Ouais, ils n'y arrivent pas du tout. Est-ce qu'il n'y aura pas un Animus là-dessous? Bah, même pas, Il n'y a même pas une histoire d'Animus. Parce que là, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait enfin un truc qui était demandé pour la série depuis très longtemps. Ils sont revenus à une grosse personnalisation, à la fois tuning, donc personnalisation des pièces, du look de ta bagnole, etc. Sauf les néons, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Celui qui a pas de néons, c'est zéro. Hop là. Et, mais ça marche plutôt bien. On peut customiser sa bagnole, mais également au niveau performance. Donc, on peut améliorer sa voiture pour petit à petit en faire vraiment un énorme bolide et perdre les flics parce que du coup dès que tu vas dépasser, je te dis c'est 200 ou 220 km/h, j'avais fait le calcul, les flics après n'arrivent pas à aller plus vite. Et donc il y a vraiment une grosse côté personnalisation, tu le vois, le jeu est plutôt joli, donc tu te dis c'est cool, sauf que le garage en fait, bah, tu ne peux avoir que 5 voitures. Voilà, il y en a 54. peux en avoir que 5. Sauf que, en fait, c'est pas vraiment 5, puisqu'il y a 4 missions dans le jeu qui t'obligent à acheter une bagnole spécifique. Ouais, t'en as qu'une ou vraiment... Et c'est des missions qui sont à la fin du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, toi, t'as passé les... Imaginons, au bout d'une heure, t'as déjà acheté 4-5 bagnoles parce que tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie d'avoir une petite muscle car, j'ai bien envie de me faire une vieille skyline là pour taper des bons drifts et tout. Tu t'es fait ton petite sélection, et là, d'un coup, t'as un mec qui te dit, il faut que t'achètes une bagnole de moins de 200 chevaux, c'est-à-dire les 3 premières bagnoles, sauf que c'est la mission 46 ou 47 sur 70. Et t'es là... Donc, putain, mais allez vous faire foutre, quoi. Au moment où, en fait, au moment où vraiment t'as un garage de malade, le jeu t'oblige à revenir en arrière ou à t'acheter des Porsche. Parce que comme Electronic Arts a les licences Porsche et que c'est les seuls à avoir le vrai droit d'utiliser les Porsche, ils t'en font acheter quand même 2 sur les 5 bagnoles possibles. D'accord. Les deux mêmes, c'est-à-dire que c'est 2 911, c'est juste que c'est pas la même année. Ça me rappelle le donjon de FF9 où t'étais obligé de rééquiper les armes du tout début pour être plus puissant. T'étais obligé de remettre les toutes premières armes. Et donc, pour qu'on finisse, parce que là vraiment je suis désolé, mais j'ai vraiment souffert parce que j'avais adoré la bêta, j'avais passé un très bon week-end dessus en me disant, on est avec toi Benoît et t'inquiète pas. Ouais, non, mais, et là, de faire le jeu, de me dire, mais à aucun moment donné, je crois que le max que j'ai dû faire, c'est j'ai recommencé 3 fois la même course pour la gagner, parce qu'en fait, il y avait le PNJ, il apparaissait pas au bon endroit, il me rentrait dedans. Et du coup, j'ai eu un bug, quoi. Mais à part ça, t'as vraiment aucun moment où tu te sens poussé. Mais du coup, tu disais, le jeu n'est pas intéressant d'un point de vue conduite. Est-ce que finalement, d'un point de vue, je veux dire... Non, mais même facilité, conduite, il est pas intéressant. Voilà, c'était ma question. Est-ce que d'un point de vue conduite, c'est plaisant? Non, 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 parce que de toute façon, tu peux foncer dans les murs, ta bagnole, elle rebondit. En plus, tu perds pas de vitesse. Ça, c'est NFS. Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Non, pas toujours, mais globalement. En fait, il y a une énorme différence, et je pense que c'est un truc que j'ai peut-être pas suffisamment explicité dans le test, ou même dans le GK Live, c'est qu'un jeu d'arcade, par essence, est forcément, dans le jeu de bagnole, quelque chose de simple à prendre. Tu t'appuies un coup sur le frein, tu tournes ton volant, la bagnole elle suit. Mais il y avait toujours, et ce même dans les NFS, il y avait toujours une courbe de progression dans laquelle au bout d'un moment, bah, ne serait-ce que pour éviter les flics, ne serait-ce que pour te retrouver au milieu d'un pack de 6 ou 7 bagnoles, tu devais quand même un tout petit peu faire attention. C'est-à-dire que là tu me files la manette, en 2 minutes je suis aussi bon que toi. Oui. D'accord. Oui, et sachant que je suis pas très bon, je joue mal, hein, je me fais pas chier, je me force pas à bien jouer, ça sert à rien. Le jeu te pousse pas à t'améliorer, donc pourquoi tu le ferais? Donc en gros, c'est la caméra de poursuite dans les virages qui est une bonne idée. Ouais. Bah ouais, on va et le jeu graphiquement dire un mot sur, voilà, sur les graphismes, parce que bah, c'est passé au-dessus de ton épaule, c'est une version PS4 en plus que tu as, as testé. Là c'est la version Play 4 qu'on voit. Ça vraiment, enfin, je suis vraiment soufflé en fait par le. Bah oui, mais c'est de l'esbrouf, c'est-à-dire que ça se passe que la nuit. T'as une distance de vue qui est très faible, et comme tu peux le remarquer, là on est en plein milieu des bouchons sur le périph'. Il n'y a pas de circulation. Tu croises au maximum 3 bagnoles. Surtout la sensation de vitesse est quand même très très décevante. Là t'es censé quand même être à 250. T'en as vraiment pas l'impression. Bon après ça c'est une constante dans les jeux d'arcade. Ils ont toujours du mal parce que pour le côté arcade, ils ont tendance à distordre un peu les stats, et du coup tu te retrouves avec des voitures qui ont des statistiques complètement irréalistes par rapport à la réalité des bagnoles. Mais là, tu sens quand même que ça va un peu vite, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, voilà, j'ai croisé le premier, je viens là, je l'ai doublé, je l'ai déposé complètement. Et la place... Non mais sérieusement, vous avez vu comment... Enfin, tu vois, j'ai pas pensé... Oh, pas mal ça. Ah, tu t'es pris un mur. Ouais, je me suis pris un mur. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y avait des petits tonneaux. Mais il n'a toujours pas rattrapé. Si, elle vient de me repasser devant, mais j'ai quand même avoir le temps de la doubler, quoi. Mais du coup, visuellement, même s'il y a des petites astuces comme ça, en termes de jeu de caisse, c'est mauvais. Dans le top. Non mais genre en termes graphique. Ouais. Ben, comme dans le top de ce qui se fait mieux, quoi. Enfin... Parce que c'est ouvert, oui. Drive Club est plus joli, faut le dire. Ça c'est clair. Après Forza Horizon, de toute façon, il sera quand même plus joli parce qu'il a un choix au niveau des décors qui est vachement plus intelligent. Que la nuit au même endroit. Et là, t'es que de la nuit dans une ville. Donc graphiquement, c'est joli, mais c'est une coquille vide. C'est vraiment l'archétype du jeu qui est beau, mais il n'y a rien derrière. Ça fait penser aux jeux de première génération quand tu lances une nouvelle console, en fait. C'est un jeu, il est arrivé 2 ans trop tard, ce jeu-là. Finalement, c'est la vitrine technologique de la plateforme. Ouais, mais du coup, ils avaient fait Rivals il y a 2 ans, qui lui s'en sortait bien. Il avait eu 7 à l'époque. Et c'était vraiment. On a tendance à pardonner à ces jeux-là, en fait, d'être vides lorsqu'ils sortent le jour J avec une console, parce qu'on se dit, c'est un peu la sucrerie visuelle qui va rendre jaloux tes potes parce que t'as acheté une console à 500 €. Là. Tu veux dire, c'est comme Killzone? Killzone, par exemple, pour moi, c'est plus le bouncer de la. Non, pour moi, en fait, c'est The Order. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec les mêmes défauts. C'est très beau, mais tu te fais chier. Il n'y a rien à faire. Vraiment, même pour un amateur de bagnole, tu te dis, putain, il y a une super sélection de voitures, il y a des vraies belles bagnoles, quoi. Mais tu peux en avoir que 4 ou 3. Comment il s'appelait le jeu de Swanix? C'était Driving Emotion, Type Emotion, sur PS2, là. Voilà, bon. Il y avait un petit peu... C'était NFS. Merci, Exerve, pour ses impressions. Ne le prenez pas. Voilà. On a compris vraiment, ça. Non mais vraiment, parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais c'est Underground alors ça allait et tout. Relancer Underground, ok il a vieilli visuellement mais vous verrez que la conduite ça n'a rien à voir. C'était vraiment beaucoup plus fin. Les épreuves étaient beaucoup plus travaillées. Les flics étaient vraiment agressifs. Un niveau à prendre, une vraie courbe de progression là. Donc là soit vous achetez un vieux NFS mais pas celui-ci, soit vous achetez Batman sur PC ou le faites rembourser. Les bons plans. Si vous avez une Xbox One, jouez à Forza Horizon 2 parce que c'est vraiment cool. Oui. Redonnez sa chance à Drive Club si vous êtes sur Play 4. Vous verrez que c'est pas si mal. Ouais, surtout que cette année, il y a beaucoup de jeux, Project Cars également, enfin même si en arcade, malheureusement, c'est un peu la misère, hein, parce que bon, on va pas parler de The Crew, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer Wild One, l'extension. Ouais, mais Drive Club, il est, je sais pas, on considère arcade, Drive Club? Ah oui, ouais. Ah oui, c'est pas du tout réaliste. Hein. D'accord, bon, c'est arcade. Je te fais confiance. Merci Exerve, on enchaîne avec l'entracte musical de Goto juste après le jingle. De retour sur le plateau, Gotos, quelles sont les règles de ce contract musical? Parce que chaque semaine, j'en ai le cul de me planter. C'est 3 blind tests. Voilà. 3 blind tests, ok. Comme la semaine dernière. Il y a différentes formules à chaque fois. Non, mais il y aura des petites anecdotes. Des trivia. On se met bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique globale sur le blind test? Non, il n'y a pas de thématique globale. C'est random. Tu peux arrêter de me cuisiner, on va lancer le premier morceau. On va écouter le premier morceau qui relie, s'il te plaît. Ah bah oui. Il y avait une thématique forcément, quand même, une espèce de transition. C'est le plus grand morceau de tous les temps. Ah oui, en tout cas dans le domaine. C'est quoi, c'est Ridge Racer? J'en fous ça, non. Ah si. Ridge Racer type 4. Et oui, Ridge Racer, c'est Ridge Racer. J'ai plus de chance de me souvenir du prénom de la nana qui avait été super médiatisée. Vas-y. Voilà, tu t'es avancé maintenant. C'est Reiko Nagas. Oui. Reiko, ouais. Bien joué, bien joué. Alors, il existe une version remasterisée de cette intro. Ouais. Que j'ai pas osé vous mettre parce qu'il y avait effectivement des trucs qui avaient été retapés au niveau de la nana. Hein, c'est du fan art, donc. Ouais. Voilà, d'accord. On sait éviter ça. Donc c'était Urban Fragments, donc le morceau d'intro de Ridge Racer Type 4 qui est donc sorti en 98 sur PlayStation. Oh putain, c'est dingue. Ouais, ça fait mal. Et donc composé par Hiroshi Okubo qui a bossé sur les Ace Combat depuis le 2, également sur les Tekken depuis le 5 et sur Ridge Racer Type 4. Ça, c'était du jeu de course, putain. Ah oui, et voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Meilleur jeu de course avec Outrun. C'est mort quand et comment Ridge Racer? C'est mort sur... Il y avait Unbound... Ils ont pas sorti c'était sur PS3. Sur PS3 au début, il y avait Unbound aussi qui était une bande D de Bugbear. C'était les versions free-to-play avec le 3.0. Quand ils ont sorti Ridge Racer 7 qui était en fait une reskin de Ridge Racer 6 360. Bref, dur. RIP. Deuxième morceau s'il te plaît Caroline. Daytona, let's go. Le dernier Crysis de Hans Zimmer. Ouais. Allez. Putain le mec. Ouais, il est fort. Ouais, mais là dès que tu sors les pampons, les boum boum. Ah bah voilà. Il connaît son Crysis. Exactement, Crysis 2. Donc on entend un peu le morceau. On sent bien le Hans Zimmer. C'est donc sorti en 2011 sur PC, PS3, Xbox 360. Et ce morceau, qui est donc le morceau d'intro du jeu, qui donc était dans une espèce de cinématique avec un générique, et le seul de la BO composé par Hans Zimmer parce que ça fait partie de cette série de, enfin ça fait partie de ces quelques jeux qui avaient à cœur de faire composer le thème principal par un mec venu du cinéma et ensuite le reste par des types plus typés jeux vidéo. Donc le thème là c'est Hans Zimmer et Lorne Balfe. Lorne Balfe c'est celui qui lui fait tous les arrangements, on va dire. C'est son nègre en fait, c'est celui qui fait tout quoi. C'est vraiment lui qui fait tout. Tout comme dans Mass Effect 3, c'était Clint Mansell uniquement pour les deux thèmes au piano qui avaient servi pour tous les trailers et puis ensuite c'était d'autres compositeurs. Et j'en profite en fait pour rappeler à ceux qui ne seraient pas au courant qu'il y a deux concerts live à Paris de Hans Zimmer en avril prochain, le 23 et le 24 avril au Palais des Congrès. Pour ceux qui seraient fans de musique orchestrale un peu rentre-dedans, un peu basique parfois. Un peu musclé, ouais. Et ça coûte quand même 70 balouses, mais pour ceux qui sont branchés Gladiator, Pirates des Caraïbes, Inception... Je pense qu'il va faire du Crysis sur scène. Non. Ah, il est question de Gladiator, Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Inception, The Dark Knight, The Amazing Spider-Man... En gros, tu tapes Hans Zimmer sur Spotify, tu t'arrêtes au 8e album, tu feras les premiers. Voilà, en gros, certains des trucs les plus connus, puis The Amazing Spider-Man parce qu'il faut bien continuer à faire vivre... Il a fait la musique de ça, lui. Ouais. Oui, bah, il fait la musique de tout maintenant. D'accord. Voilà. définitivement. Dernier morceau quand même. Dernier morceau. Ah, je l'ai ça. C'est Risk of Rain. Monsieur est rapide. Ouais. Je sais pas si je peux me permettre. C'est le morceau de coalescence de Risk of Rain, donc qui est sorti en 2013. Je l'ai un tout petit peu rouillé, donc les musiques je les connais. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Très très bonne BO d'ailleurs. Donc le morceau qu'on entend là est assez loin dans le jeu si je dis pas de bêtises. Donc c'est un jeu, donc on va voir les images parce qu'effectivement là on est en train de faire du Lofi sur du Lofi, donc ça fait vraiment des gros carrés. Ouais. Donc c'est un run and gun potentiellement en coopération avec un système de roguelike, de montée en puissance des monstres, qui est obligé en fait à faire des compromis entre le temps que tu restes dans un niveau à looter des trucs et le passage jusqu'au prochain niveau, à quel moment tu déclenches l'arrivée du boss, etc. Très chouette jeu. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'en fait le compositeur, qui a le nom le plus mignon de la Terre, qui s'appelle Christodoulou, qui est grec, vient de mettre en ligne une version très particulière de l'OST pour 3 €. En fait c'est tous les morceaux mais livrés en multipistes, donc il y a 8 pistes par morceau. C'est pour les gens qui seraient intéressés par tout simplement par la construction musicale, l'étude de la construction musicale, ou pour les remixes, sachant qu'en fait pour 3 €, tu as, t'as l'équivalent de 56 pistes différentes en MP3 et en FLAC, et qui demandent juste que tu ne fasses pas une utilisation commerciale de tes éventuels remixes. Donc pour les culteurs qui seraient soit musiciens, soit curieux, c'est sur son Bandcamp. D'accord. Ça s'appelle Risk of Rain Engineer Edition. Il n'y a pas le OGG? Il n'y a pas le OGG, mais le FLAC, non, je suis tranquille. Normalement, t'es bien avec. Il n'y a pas de Alex qui me fait chier aussi. Merci Gotos pour ces 3 découvertes musicales, et on enchaîne avec la fin de cette émission, puisque c'est Call of Duty Black Ops 3 qu'on va décortiquer juste après ces quelques secondes de trailer. Alors si ma mémoire est bonne, Stoon, t'avais bien aimé le Call of Duty de l'an dernier, puisqu'on a un par an depuis 20 ans maintenant. Donc là on est au 32e épisode, Call of Duty Black Ops 3. Ouais. Qu'est-ce que ça change par rapport aux autres années déjà? Tout. Et rien. Ah. Non, qu'est-ce que ça change? Ça reprend l'arc scénaristique, enfin l'univers de Black Ops, qui est donc développé depuis le 1. Donc là, ça se passe en 2054. Black Ops, de mémoire, à ce moment coupé, c'était la première version futuriste. Pas du tout. Non. C'est Ghost le premier. Oui. Le premier Black Ops, c'était pendant la guerre du Vietnam. C'était Ghost alors, c'est lequel qu'ils ont, ou vraiment ils ont commencé à faire l'anticipation? Black Ops 2. Black Ops 2, d'accord. Ouais, okay. Black Ops 2, il y avait déjà un peu du futur. Et là, c'est encore plus loin dans le futur, donc ça reprend après Black Ops 2. Et donc l'histoire, c'est que le héros ou l'héroïne qu'on incarne, puisque maintenant on choisit le sexe de son personnage au début, au début on rejoint la petite escouade qu'on voit, et y a la première mission, ça se finit mal, on se fait péter, enfin on se fait arracher les bras et les jambes par un robot, donc tout en vue à la première personne, et donc on se fait mettre des bras, des prothèses biomécaniques et autres améliorations dans le cerveau à base de puces, de trucs, voilà. De trucs à la Deus Ex. Voilà. Et donc après, on va devoir. On se balade avec notre petite équipe. Et on se dit, c'est un setup classique pour l'histoire, mais après, ça part dans le gros what the fuck. Vraiment. En tout cas, pour le solo, l'histoire du solo. C'est. C'est tellement what the fuck qu'il y a des moments où je devais sortir et crier parce que c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, j'avais l'impression d'être devant un film d'auteur de Sundance, un mec qui a pris des champis et qui écrit. C'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Il hurlait, mais vraiment en plus. C'est du n'importe quoi. Mais ça n'a ni queue ni tête en fait. Parce qu'on avait laissé la série avec Advanced Warfare, c'était Kevin Spacey, je crois que je voulais camper le méchant. Advanced Warfare, voilà, c'est un truc classique. C'est bon, voilà, il y a un méchant, il y a un mec qui manipule le monde. Enfin voilà, les ficelles, elles sont grosses comme des cordes de bateau, mais t'arrives à. Il y a un déroulement classique là, tu vois, là, c'est ce genre de conneries à la Inception là. Il y en a partout. Mais genre tout le temps. Genre la moitié du jeu vers la fin, c'est t'es dans le rêve d'un mec. Il y a Piaf qui me saute dessus. Je vais essayer de le faire, sans spoiler, mais en résumant le truc. T'es dans le rêve d'un mec qui est dans une intelligence artificielle qui regroupe plusieurs rêves et esprits de personnes. Et tu combats un moment des zombies nazis que quand tu les tues, ils s'envolent en une nuée de corbeaux avec des pans de mur à la Inception et des trucs qui poussent du sol. Je t'avais dit surtout d'arrêter de picoler avant l'émission. Ouais. C'était sans spoiler. Et ça, c'était sans boire. D'accord, ouais, donc l'histoire très fantastique. En fait, ils veulent se la jouer. Enfin, ils ont toujours eu ce délire chez Treyarch de dire les héros, tu vois, le stress, enfin le truc post-traumatique, enfin voilà, ça laisse des séquelles. Donc dans le premier, pour ceux qui ont fait les Black Ops, dans le premier, il y avait déjà ça, puisque le mec avait des alus, etc. Ah ouais. Dans Black Ops 2, ils reprenaient aussi un peu ce thème-là, mais là, ils ont été vraiment trop loin. Là, le jeu est une alu. Là, c'est le jeu devient une alu et ça vient. Ça a un impact sur le gameplay, ça en devient chiant même. Le jeu commence vraiment à partir, le truc commence vraiment à partir du quart ou du tiers du jeu. C'est combien ça, 22 ou 23? C'est un peu plus long, non, franchement il est un peu plus long que d'habitude. Personnage il se met à jouer à Candy Crush et tout. Mais ouais, non, c'est poussif au début, après quand les trucs commencent à se mettre en place, on se dit ok ça part vraiment, puis après on part dans, le monde de... Bref, le scénario est décevant par contre, si j'ai bien compris... Pour la première fois depuis bien longtemps, le jeu innove vraiment sur sa partie solo. Alors du coup, c'est une campagne, parce que c'est plus le solo, parce que c'est de la coop, si j'ai compris. On peut la jouer, voilà, on peut la jouer en solo ou en coop. Je recommande directement de la lancer en coop. Ouais. Mais direct. Il jouait pas en solo, c'est à chier. Solo, ça n'a aucun intérêt. Ouais, le jeu a vraiment été pensé pour tout la coop, seul, c'est pourri. Les développeurs ont dit ouais, on a mis des bots, ça marche et tout. Ça marche pas du tout. Tout est pensé pour être joué à 4. C'est-à-dire qu'il y a des phases où tu arrives, tu sors de cinématique, tu as 8 personnes, enfin 8 ennemis devant toi, et ils t'alignent déjà. Donc tu te fais déjà défoncer. C'est tout le temps comme ça en fait. T'es que des phases où t'es sur des grandes zones ouvertes, il y a des mecs de tous les côtés, et les bots qui sont avec toi n'intéressent pas ces ennemis. Donc t'as 8 contre 1. Tu te fais tout le temps saucer, t'as des ennemis comme ceux-là par exemple, donc ça c'est un des niveaux qu'ils avaient montré à l'E3. En fait c'est des tanks, et tu dois donc les abattre avec un lance-roquette, mais ils ont un bouclier qui repousse tes roquettes. Donc tu dois d'abord faire tomber le bouclier en tirant avec ton arme principale, changer et tirer une roquette. Mais il faut plusieurs roquettes pour qu'ils tombent et c'est une mécanique qui se joue en coop. Tu vois, t'as un joueur qui va lui péter le bouclier, l'autre va tirer. Mais là, quand t'es tout seul, faut que tu fasses tout. Et en plus, autour, t'as tous les mobs qui vont être aux alentours, qui vont venir sur toi. Il y en a qui viennent que au corps à corps et qui explosent un peu comme des trucs suicidaires, des robots suicidaires. Encore une fois, ils viennent que sur toi. Et vraiment, en solo, c'est une vraie pure. Genre, et du coup, est-ce que ça en fait un bon jeu coop ? Faut que je teste plus longtemps. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me pousser à fond sur les grosses mécaniques de coop. Mais en tout cas, en solo, c'est clairement pas... Si vous pensez vous faire le truc en disant je vais me faire le solo tranquillou... C'est vrai que tu viens de préciser aussi que le test est en cours, donc on n'a pas encore fait toutes les features du jeu. Mais dans le gameplay, il y avait aussi, vu que c'est le futur, il y a, j'imagine, le jetpack, le wallrun, ce genre de choses. Ils ont été plus loin que dans le passé déjà, ou c'est toujours un peu la même chose que dans le Je m'attendais à une plus grande marche en fait, que ce soit autant dans le solo que dans le multi. Là, de ce qu'ils nous avaient montré pendant la bêta ou même pendant les presse, ils disaient voilà, on a rajouté plein de trucs. C'est encore une fois, il a joué un peu petit bras pour pas non plus trop dénaturer, enfin pas non plus aller trop loin par rapport à l'épisode d'avant. Typiquement le jetpack en multi, il y a plein de zones où tu peux pas accéder. Genre tu vois, t'as un immeuble en face de toi, t'as la portée pour y aller, mais c'est pas t'es bloqué par un mur invisible. Tu vois que des trucs comme ça. Ça sert un petit peu. Mais est-ce que ça ajoute un peu plus de verticalité? Parce qu'on sait que c'est des jeux très linéaires. T'as des zones. Enfin voilà, tu vois là typiquement c'est une zone qui est vraiment assez grande, même si c'est un gros carrefour. Mais t'as des zones avant où il y a plusieurs niveaux, t'as plusieurs passages. Bon après. Quand tu commences à cramer la manière dont le jeu fonctionne, c'est quand tu rentres dans certaines zones, ça va faire popper certains ennemis dans les trucs. Donc du coup, tu peux aussi rusher le niveau. Genre, tu cours et ça fait pas popper les autres. Enfin, tu crames un peu ce qui se passe derrière le décor. Mais après, ouais, dans le jeu en lui-même, il manque ce... Enfin, je m'attendais vraiment à plus. Tu vois, genre, il y a des améliorations, il y a des trucs cool. Mais c'est encore petit bras, là ils ont rajouté le système où tu peux en fait avoir des pouvoirs avec ce qu'ils appellent les cybercorps. Ils avaient du mal à nous l'expliquer pendant les présentations, tu vois, à faire un truc clair, et on a compris pourquoi, parce qu'en fait c'est un gros merdier. Enfin c'est simple, mais c'est un peu le merdier. En gros, avant de lancer une mission, maintenant t'es toujours dans une safe house. Donc ils jouent vachement sur le côté, tu joues à plusieurs, tu rentres, chaque joueur a sa chambre dedans. Donc dès qu'il y a un joueur qui arrive, ça ouvre la porte de la chambre, lui il sort. Tu peux jouer à comme des VR missions dans Metal Gear, et toi si t'es spectateur, tu vois sur l'écran du mec qui est en train de jouer, enfin tu vois, tu peux vraiment partager tes trucs. Et donc tu prépares ton... C'est youtubeur en fait. C'est un peu ça, ouais. Tu prépares aussi ton arsenal et tes trucs. Et tu as ces fameux cybercorps qui sont divisés en 3 catégories. Donc tu en as une, c'est plus sur le hacking, une plus sur les performances de ton personnage, et une autre qui est plus sur l'attaque, enfin tout ce qui va être létal. Et donc tu choisis une de ces 3 familles avant de partir en mission. Et dans chacune de ces familles, tu as différentes perks que tu vas pouvoir switcher avec une roue de talent. Et donc ça va du, tu fais t'immole un robot qui est devant toi, tu fais vomir des ennemis humains, tu les rends aveugles, tu fais une decoy. Tu as plein de trucs comme ça. Ça part d'une bonne intention, mais encore une fois, quand tu es dans le feu de l'action, c'est très galère à changer parce que la roue, ça met pas le jeu en pause, donc c'est tout en dynamique. Donc au final, tu joues qu'avec 2 ou 3 trucs que tu maîtrises vraiment. Et la manière dont tu cibles les ennemis, ça marchouille. C'est-à-dire que tu choisis ton pouvoir, ton personnage sort sa main et tu vois, il va te loquer plusieurs cibles, une ou plusieurs. Ouais, mais des fois, c'est pas précis. Des fois, il en chope une qui est au fond de la map, un qui est devant. Tu lances ton truc, si tu lances trop tôt et que tu pars à couvert, il annule les 3 que tu avais avant, il en prend plus qu'une qui est derrière. Enfin, pour schématiser, t'as quand même pas le sentiment que ça change une façon de jouer Non, ça rajoute juste, en gros, ok, t'as vidé tes 2 chargeurs, enfin un principal, un secondaire, il y a un truc qui t'arrive devant toi, tu lances ton pouvoir pour les cramer, et voilà. C'est le petit truc en plus, mais c'est pas... J'ai vu cette scène de poursuite où en fait il y avait des drones qui te couraient après et tu pouvais les faire tomber avec ta main. C'est ça, tu les fais cramer. C'est vraiment juste un petit truc, une petite arme en plus. Mais tu vois, encore une fois, on s'attendait vraiment à ce que ils développent, que ça aille plus loin. Et pourtant, ces pouvoirs-là, tu peux les faire évoluer. Enfin, tu vois, tu récupères de l'XP en solo. Enfin, en coop, tu récupères de l'XP, tu fais évoluer ses pouvoirs, etc. Bon, de toute façon, on aura ton verdict dans quelques jours, je pense, sur après, ouais, donc là, c'est la campagne. Après, le multi, ça fonctionne. T'as pu essayer le multi aussi, déjà? Voilà, j'ai déjà pu jouer un peu. Je suis un peu déçu par les maps qui sont un poil étriquées. Ouais. En tout cas, là, sur les quelques... Enfin, j'ai pu tester la moitié des cartes et elles sont un peu resserrées. Bah, moi, j'ai pas l'habitude de regarder des parties en ligne de Call of. Hein, ça m'intéresse pas tellement, pour être sincère, mais quand je te voyais jouer... J'étais assez surpris en fait par le dynamisme et surtout la facilité de mouvement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les joueurs, et toi notamment, utilisent vraiment les courses sur les murs, la verticalité et tout. Et de mémoire, c'était beaucoup plus basique en fait. La dernière fois que j'ai regardé... Non, là, ils les ont bien placés. Je te dis, je suis juste un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de... Enfin, tu vois, tu as des gros cailloux au milieu de la carte, tu te dis ok, je vais sauter dessus ou passer, et bah t'arrives et t'es bloqué par un... ils ont pété au bout de l'idée. Mais après, sur tous les angles, les côtés... Il donne un intérêt justement à ces bords de map qui d'habitude ne servaient pas à grand chose, où là justement tu vas venir, tu vas faire un all run, tu vas ressauter et recouper sur une ligne où les mecs ne font pas forcément, et ça permet de redynamiser le truc. Ça me rappelait, moi, les parties, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais les parties multi sur Titanfall sans les titans. C'est où vraiment, en fait, tu fais un peu ce que tu veux, t'es très mobile. Après, c'est une question de level design, parce que toutes les cartes se valent pas, mais par contre, c'est quand même assez agréable à regarder. Quelqu'un qui sait bien jouer, tu vois limite qu'il est dans un flux ininterrompu de kills. Il y a toujours maintenant certaines killstreaks qui sont, les killstreak rewards. Donc quand tu fais beaucoup de frags, tu débloques des paquets qui sont un peu fumés. Notamment, t'as des missiles, t'en tires 3 ou 4, je crois. Donc tu vois la caméra, t'es dans le ciel, les missiles ils partent. Et au bout d'un moment, tu peux cliquer pour les exploser en sous-munitions. Et là, ça arrose une zone qui est énorme et c'est gavage. C'est vraiment... Tu sauces la moitié des gens. Mais donc ouais, il y a pas mal de trucs. T'as les pouvoirs aussi. Ce qu'on voit en bas à droite de l'écran, la petite barre, elle se remplit toute seule au cours de la partie. Ouais. Si tu fais des bonnes actions, donc tu captures un point, des frags, elle va monter encore plus vite. Et ça va être le pouvoir de ton personnage que tu vas avoir pendant un temps limité. Donc, et tu choisis, il y a différents archétypes de personnages. Donc tu en as un qui va avoir un arc, l'autre on voyait un espèce de lance-missile portatif, un autre qui va pouvoir encaisser plus de dégâts. Et ça permet aussi de dire, voilà, tout le monde aussi va avoir son petit pouvoir, que tu sois bon ou que tu sois moins bon. Si t'es bon, tu l'auras plus vite. Si t'es moins bon, tu l'auras quand même. Un peu comme le titan dans Titanfall, tu vois. Ouais. Mais sans que ce soit game changer comme le titan, parce que ça demande, l'arc, ok, tu one-shot les gars, mais il faut vraiment faut le tenir bandé, faut viser les gars, il y a toujours plus de challenge, tu vois. Mais donc ouais, super pouvoir dans ce plateau. Non, puis derrière t'as le mode zombie. J'ai pu juste lancer une partie tout à l'heure. J'ai pas vu beaucoup de gros changements dans le truc. La carte a l'air sympa, c'est ambiance années 50. Enfin, ils ont mixé Art Déco et Art Nouveau au sein d'un truc avec des persos en couleur. Ils ont Ron Perlman, ils ont Jeff Goldblum. Ils ont Heather Graham aussi. Et après ça reste du du zombal. Ouais. Ça reste du zombie classique, l'ambiance est rigolote. Après, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de pousser... C'est plus que ça, il y a un mode Nightmare qu'on débloque en finissant le solo, qui est le mode solo en fait avec les zombies. Il y a aussi un espèce de TPS caché comme dans Black Ops 1. Dans Black Ops 1, il y avait dans la salle d'interrogatoire, on pouvait taper sur un ordinateur au fond de la salle et on débloquait un jeu, ou une espèce de shooter en vue du dessus. Là, ils ont remis ça aussi dedans, qui est aussi à débloquer en utilisant un ordi. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. T'es inquiet, toi, pour la fin de ton test ou pas? Par rapport à ce que t'as vu niveau qualité du jeu ou ça? Non, ça fonctionne, enfin, ça, les trucs marchent, tu vois, la partie multi, il n'y a pas de soucis, mais le solo, l'histoire, c'est what the fuck, enfin, il y a des phases. Il y a une phase, c'est dans une forêt enneigée, il fait noir, tu navigues d'arbre en arbre qui sont éclairés, avec des cadavres au sol et une voix qui te parle en mode mystico what the fuck. J'avais l'impression d'être un walker pourri, tu vois, que Gotos pourrait tester, je suis désolé. Et t'arrives à la fin, il y a un dernier arbre avec un sarcophage, ça s'ouvre, il y a un bébé qui pleure, tu l'attrapes, il se dématérialise dans le ciel et tout. C'était là, mais what? Il y a Kojima Carré qui fait là, tu vois, je veux bien des messages plus profonds dans le jeu vidéo, mais là, sans déconner, les gars, c'est Call of, quoi. Filme-moi une M16 et vas-y. Les mecs ont dû voir Blueberry, le film. Ah, mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a certaines options de mise en scène qui sont intéressantes, et il y en a d'autres, c'est ok, les mecs, ils ont vu Inception, ok, les mecs, ils ont vu tous les autres jeux qui jouent sur le côté rêve, tu vois, truc éthéré et tout. Ça marche pas. Ça marche moins bien. Et les phases de gameplay qui sont dans ces rêves-là sont pourries, mais vraiment. En fait, les mobs, enfin tous les ennemis, ils popent comme des ninjas avec des bombes à fumer. Donc c'est pas genre, il y a une vague qui arrive, c'est genre t'avances, et puis ça fait choufoufou, et hop, ça pop derrière toi, n'importe où, enfin tu sais pas où ils sont. Super bien la bombe à fumer. T'as vu ça? École Gustave Parking. Et donc ils pop comme ça, et quand tu les tues, bah, ils tombent au sol et ils partent en un vol de corbeau. Mais des fois, tu sais pas trop s'ils sont morts et machin. Enfin, ça me rappelle un peu quand on parle les scènes, parce que tu tapes toujours ces trucs-là. L'an dernier, tu t'es tapé les scènes de trip dans Far Cry 4, si je dis pas de bêtises. Oui, t'étais un peu dans ce délire-là aussi, non? T'avais le tigre qui te coursait. C'était, ouais. Ah, mais là, c'était vraiment what the fuck. En fait, Far Cry, ils essayaient de faire un côté décalé, drôle, mais qui marchait pas. Alors que là, ils sont très premier degré. Mais ça marche. Enfin, pas du tout. En fait, je pense pas qu'ils voulaient faire du drôle, Far Cry. Je pense qu'ils se prennent au sérieux avec leur trip. Mais donc, t'as ça, et ouais, dernier truc que je voudrais parler, c'est les assistances visuelles. En fait, vu que t'es dans le turfu, t'as un HUD de malade directement intégré dans l'œil. Tu peux, alors, il y a une bonne chose, c'est que tu peux paramétrer dans les options du jeu les aides que tu peux avoir. Donc, genre, juste montrer quand un mec te vise, les trucs comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu l'actives, tu vois moins bien que sans, en fait. Ça te pollue tellement d'infos à l'écran. Quand on voit les bonhommes en rouge, en fait, ils t'affichent les bonhommes quand ils sont derrière un mur. Mais tu vois mieux un mec qui est derrière un mur qu'un mec qui est devant. Un mec caché, tu le verras mieux sur le HUD qu'un mec qui est masqué. Et du coup, ça nuit vraiment à la lisibilité. C'est dommage, parce que pour ceux qui trouvent qu'il y a des scènes d'action qui sont trop rythmées, etc., bah, pouvoir avoir une assistance visuelle, mais malheureusement, ça nuit vraiment au truc, quoi. Ok, bah merci Stoon pour ses premières impressions sur Black Ops 3 qui sort cette semaine, je crois. Il est sorti au moment où l'émission est diffusée. Voilà, donc il est sorti cette semaine, donc voilà, c'est Call of, mais c'est un petit peu original, bon, pas forcément pour le meilleur, mais en tout cas on prend quelques risques avec la formule. Voilà. On verra si ça paye comme NFS. Et on se quitte pour cette émission de Gamekult, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission de Gamekult. Merci de nous avoir suivis, merci à tous, ciao.